She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Elle me disait, mais Kimi, tu vas te marier ou bien? Tu vas te marier? Je dis non, je vais pas me marier. Pourquoi? Elle dit, tu as fait coiffure des mariés et tout, parce que c'était un chignon, j'avais mis des boucles et tout avec, voilà. Si vous êtes ma famille que je vous dis, hein. C'est parce que vous êtes ma famille que je vous dis, sinon normalement je devais rien dire et vous regarder comme ça. Ah, je suis allée me marier et tout, c'était un mariage, même mon papa n'a pas été invité en fait, parce que le monsieur il aime tout filmer, il allait tout venir filmer et nous balancer, il allait nous balancer et tout. Pourtant, on voulait faire un truc en cachette et autre. Où est la bague? J'ai enlevé, il fait nuit. Il faut que je protège ma bague. Oui, je me suis mariée à l'église et tout. Ça veut dire que c'est pour la vie en fait. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Je suis plus célibataire. Je suis mariée. Si le pasteur était là et tout, voilà. Le pasteur était là. Tout le monde était là, sauf mes proches. C'est-à-dire, c'était les parents du mari qui sont venus et tout. Avec qui? C'est ma vie privée, en fait. Je ne vais pas donner son nom comme ça. Tu es majeur. J'ai bientôt 20 ans, en fait. La femme de Sadio Mané, elle a quel âge? Pourquoi vous me jugez, vous m'accusez? Me juger. Oui, je suis. Allez, quand tu regardes mon visage, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut mentir? Je ne vais pas mentir. Je ne sais pas. En fait, je vis ma best life et autres. Ma meilleure vie, en fait. Parce que vraiment, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'était un peu ça. Félicitations. Et toi, au moins, non. Toi, au moins. Et je t'ai dit, les captures avec le titi. Ils vont dire, c'est là pour sa mariage, elle va là à l'école. C'est le mot qui est là-haut. C'est là pour sa mariage, elle ne veut pas aller. Il ne faut pas se concentrer sur ses études. Il ne faut pas se concentrer. Elle n'a qu'à dire que truc. Mais ne vous inquiétez pas, je suis très concentrée sur mes études en fait. Et mon propre père, c'est que moi qui je travaille bien à l'école en fait. Je travaille bien à l'école et tout. Est-ce que vous voyez mon papa venir se plaindre pour dire Kimi, tu as fait ci, tu as fait ça? Parce que je travaille bien en fait. Ouais, c'est la vie. Moi, j'ai pas eu d'épaule là aussi. Salut la famille! Bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars TV, la chaîne du Japap et du Béré. Ouais, c'est ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous, les soi-disant blogueurs, pour vous donner les infos sur mur et dur, oui. Hein, la famille? Hein, est-ce qu'il y a lueur de la canne? Est-ce qu'on ressent la canne déjà? Dites-moi, du côté de la Côte d'Ivoire, on ressent déjà dans les rues? Dites-moi ça. Kimi a fait un live hier, très long live, oui. Oui. Comme d'habitude, les internautes aiment voir Kimi en live. Surtout ses fans, les gens de sa team, on aime bien la voir, c'est une occasion de se sentir près d'elle, vous comprenez un peu. Donc,
j'ai tenu à amener quelques images du live là. Vous avez vu, non? Vous avez écouté, non? Son live, ouais, le live de Kimi. Nawa dit qu'elle est mariée, oui, bon. Nous, on sait que c'est la blague, c'est ça. Elle cherche à taquiner certaines personnes. Donc, elle n'est plus célibataire. Elle est célibataire, oh là, oh, elle là, oh. Vous comprenez un peu, non? Donc, elle cherche seulement à taquiner. Vous comprenez? Arcel, de l'autre côté, en train de faire son petit faux buzz, en train de taquiner aussi certaines personnes. Elle aussi, elles ont été taxées pour narguer certaines personnes. Je comprends. Parfois, tu as le besoin de te défouler. Vous comprenez un peu, non? De sentir que non. Les gens qui passent le temps à se moquer de toi, bien truc là. Mais c'est man elle. Elle ne peut pas faire le même genre. Genre, c'est de. Ah, qu'elle veut se mettre avec quelqu'un, faire non. Elle ne peut pas faire le genre là. Que papa m'a conseillé où? Hein? Que ma consoie est où? Ma consoie va accepter les histoires comme ça là. La fille là, elle est surveillée, elle est sur haute surveillance. Moi je vous ai dit ça, Kim. Kim est sur haute surveillance. Parfois elle fait des blagues comme ça, c'est comme si elle dit, je me moque même de moi-même. Parce que ma situation aussi, que pour que mon père accepte que je me marie là, il va seulement fuguer, oui. C'est ma fille là, vous allez vous lever justement, mais Kim n'est plus sur les roseaux, c'est quoi? Elle est où? Même son père la cherche. Vous voyez, elle sort seulement quelques jours après un live là, au Cameroun peut-être, dit que je me suis marié, on a l'une des miennes là. Hey! L'arrêt cardiaque, Marcoson. Marcoson aura l'arrêt cardiaque. Mais c'est ce qui va se passer si elle veut vraiment se marier, parce que son père ne veut pas. Vous pensez que c'est une fausse idée? Attendez. Je dis tu mes choses dans les blagues comme ça là. Dans les blagues. Attendez. Marcoson ne veut pas qu'elle se marie. Pour qu'elle se marie. Alors là, ça va être un truc en cachette. Elle fuyait pas. Oh, bien sûr, elle est mariée. Tu veux quoi? C'est comme ça que ça va se passer. Attendez. Marcoson ne veut pas. Et la famille. En tout cas, hein, bonne chance, hein, Kimi Marcoson. Bonne chance à toi. Parce que. Aïe, ton cas là, moi, finalement, après, il y a un moment que ça me fait même pitié seulement. Ouais, je vous jure. Je sais que tu es triste. Ça, c'est une fille qui dort. Elle est triste. Elle pleure même la nuit. Je suis sûr. Moi, je vous jure. Là, c'est une jeune fille. Elle ne peut pas vivre la vie d'une jeune fille. On lui met en tête que, oh, l'école, oh, l'entrepreneuriat. Laissez la fille connaître les garçons. Hein, connaître ses garçons. Elle fait ses petits jeux sortis, petits trucs là. Oui. Ouais. Jamila, que vous appréciez là aujourd'hui, là, oui, Gachina a connu ces garçons, elle a fait ce truc, elle a eu ses petits flirts avec Tema, les petits. Oui, oui, c'est comme ça. Là, voilà, elle a son diplôme, c'est comme ça. Qui me voit que non, tu l'as laissé, non, c'est quoi? C'est quoi? Laissez la petite fille vivre. Vous l'étouffez avec le mode de vie que vous voulez l'imposer là. Vous l'étouffez. Et le premier dans ça, c'est Marcoson qui dit que le mari de Kim, ce sont ses études. Inalmité. Laisse ça. Laisse ce que tu racontes là. Petit marmailleur. Comme un petit marmailleur comme ça, de basse classe. Tu sais, derrière temps, si le gars, le Marcoson là, tu me tapes sur le système. Hein. Tu me tapes trop sur le système. Oui. Et la famille. Bonne chance à toi et Kim. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto.